Bonjour, bienvenue à la Minute Technique Solid Expert. Mon nom est Marco Chéri. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment copier le contenu d'un message d'erreur ou d'un message d'avertissement de SolidWorks dans un éditeur de fichiers texte. Par exemple, j'ai un avertissement ici que SolidWorks me donne et j'aimerais copier le contenu de ce message. J'ai tout simplement à cliquer sur la boîte de dialogue. Je fais CTRL-C avec le clavier. J'ouvre le bloc-notes ou tout autre éditeur de texte et je fais CTRL-V sur le clavier. Donc, vous voyez ici le titre du message, le contenu. Donc, c'est ainsi que je peux copier un message d'erreur ou d'avertissement pour un usage personnel. Merci d'avoir écouté cette minute technique.